Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Quoi votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Faya Kekura Teduno. Faya? Faya Kekura Teduno. D'accord, j'ai une question pour vous. On vous propose 1 milliard de francs guinéens pour aller gifler, mais à condition que vous partez gifler un policier. Si c'est vous allez accepter ou pas? Oui, moi, je vais accepter. Pourquoi vous allez accepter? Parce que ces policiers, en passant, même si tu as tes dossiers au complet, CACS et tout, ils vont chercher jusqu'à ce qu'ils vont tenir. Ils vont chercher les choses. Ils vont en fait chercher parmi moyens pour te prendre, pour que tu leur donnes de l'argent. Donc, pour ça, moi, quand, même si on me dit 100 000, je peux les gifler. 100 000 francs. En raison de 100 000 seulement. Toi, tu vas accepter? Moi, je vais accepter de les gifler. Tu n'as pas peur? Non, même pas. Tu n'as pas peur d'un policier? Non, même pas. Pourquoi tu n'as pas peur de lui? Parce qu'ils nous font... Ce qu'ils nous font, ils sont même mal à l'aise. Qu'est-ce qu'ils nous font? Au fait, en cours de route, en passant avec des gens, ils nous tracassent, tu vois. Au fait, ils nous font ce qui n'est pas bon. Aussi. Comme quoi? Par exemple, même si tu n'es pas sur ça, tu peux être toi seul. On te prend sur la moto, même si tu as... Comme ce que je viens de dire ça. Tu as tes dossiers au complet, même si tu as des réseaux visés, mais ils vont essayer de voir, par exemple, ils vont essayer de voir si tes clientèles ne prennent pas le frein, tout, ils vont contrôler tout ça, tu vois. Donc toi, tu vas gifler un policier à cause de l'argent, même 100 000 francs, tu dis. Oui, je le ferai. Et si on te prend, on te met dedans? Là-bas, il n'y a pas un problème sans solution. Tu vas faire quoi? Dans ce cas, il y aura toujours une solution. Maintenant, c'est quoi exactement ta solution? Je ne suis pas chou, je ne suis pas assez lié. Il y a mes parents, ils peuvent partir là-bas. Mes parents peuvent me trouver là-bas. Donc, tu vas faire appel à tes parents, ils vont venir plaider, si je comprends bien. Ouais. D'accord. Maintenant, à part ce que les policiers vous font là à chaque fois, vous avez quoi d'autre contre les policiers? C'est juste ça. Ah. Mais est-ce que toi-même tu marches avec tous tes papiers au complet? Oui, moi j'ai tous mes papiers au complet ici. C'est sûr? C'est sûr, oui. Ok, quand tu gagnes les 1 milliard, tu as quel projet à faire avec ça? Moi, là où je suis, quand j'ai 1 milliard, d'abord, je veux être musicien. Artiste? Artiste, oui. Ok. Ouais, je vais essayer de voir un de mes frères qui pourra faire le management pour moi, chose, pour créer une maison de production. Après, on continue la musique. Quel genre de musique tu veux faire? Afrobeat d'Anjal. Tu avais déjà une fois composé, tu as chanté ou quoi d'autre? J'ai trois musiques. Trois musiques. Tu peux faire juste un acapella. On va voir. Oui. Allez, vas-y. Kislova. Tell them to the rhythm. Bouyaka mayam sionde. Ahimpia som fondong lamulile. Wanatia kolia vanambulia. Fangania chonde lenia. Bema kisila tingwanale. Anyunani afe lamulile chone. Et donc ça c'est en Kissi, hein? Ouais, c'est en Kissi. Ah ouais, c'est une première là. Tu rappes tout bien, c'est quel genre de musique? Ça c'est afro. Ça c'est afro. Afro. Ah, ça c'est très bien, je t'encourage. Ouais, merci. Merci beaucoup. Merci.